passé. C'est pas du tout ça. C'est bon, il est endormi. C'est que je voulais faire. Müller. Müller. Macready, Müller est blessé. Gravement, j'ai besoin de renforts dans les cuisines. Jensen, bon sang. Ne bougez pas, Jim, puisqu'on veut nettoyer. Trop tard. On m'a forcé à boire. Pourquoi? Je suis foutu, Jensen. Il est à l'école? Mort. Mais vous pouvez encore sauver les autres. Les masques d'or. Mais c'était d'or. Poisonné de champagne. Pour rien. Tu sais, j'ai bien fait de me niquer le champagne. La salle de réunion. Derrière la salle de réception. J'ai essayé de les arrêter, mais. J'ai échoué et. Jim, je suis désolé, je. Non, c'est pas votre faute. Vous comprenez? Mais si, c'est ta faute. Vous êtes un bon agent. Attendez. Gardez vos forces. Non. Écoutez, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire. C'est que vous êtes un homme bien. Un homme bien, Adam. Même quand je doutais. J'ai toujours su. Mac, Müller est mort. C'est l'orchidée. Les salauds. Merde. Et Brown et les délégués. Je les ai pas encore trouvés. J'arrive, Jensen. Il est mort, James. Putain, il a pas d'oseille sur lui. Il est con. Mais non, c'était mon pote. Non, James. Tu peux pas mourir comme ça, James. Qu'est-ce qu'il fout, là? James, non. Je vais t'enterrer, James. Tiens. Ah, adios. Mon ami.
Adieu, James. Je vais me faire du pipi, moi. C'est trop belle, t'as trop une vieille bâtard.
Non, mais il est mort. Je vois pas pourquoi les piles elles apparaissent. J'arrive, j'arrive.
suivi.
Mettez cette sécurité. Il faut plus Dieu. Thank you.
Thank you.
Adam, c'est moi. Ce carnet électronique à Hong Kong. Il s'est allumé il y a quelques secondes. Juste à... C'est longtemps pour émettre un message. Tu l'as intercepté. Oui, mais c'est pas clair. On dirait... Réunion en cours. Faites la livraison. Clé 2202. Macready, c'est trop tard. Ils sont morts. On commémore aujourd'hui partout dans le monde la mort du PDG de Santo, Nathaniel Brown, et de plusieurs membres éminents du Conseil de sécurité des Nations Unies, assassinés la semaine passée lorsque des terroristes augmentés ont attaqué la Convention sur le projet refuge à Londres. Après avoir divulgué des images effrayantes de la scène de crime, Interpol a admis que le bilan aurait pu être bien pire. En effet, des membres de la Coalition pour les droits des augmentés, fous de rage suite à la mort de leur leader, avaient aussi prévu de faire exploser des tours résidentielles avoisinant l'Apex Center. Ça fait bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je crois qu'il est grand temps que les Nations Unies adoptent la loi pour le retour à l'humain, pour que nous puissions à nouveau dormir sur nos deux oreilles. C'était Elisa Kassan, en direct live. Ça tease la flamme. Picus. Ils la teasent? C'est eux qui ont foutu le feu, tu veux dire. Elisa ferait aussi bien d'aller en personne leur distribuer des fourches. Dès que Brown a ouvert les portes, je savais que la CDA finirait par porter le chapeau. S'il m'avait écouté. Il est beaucoup trop arrogant pour ça. Il a joué gros et il a perdu gros. On a perdu gros. Putain, un peu plus et on se débarrassait de cette loi. Un peu plus si on laissait mourir des milliers d'innocents aussi. Oui, je sais. Et grâce à toi, on a évité ça. C'était pas évident comme choix. Mais je comprends rien, qu'est-ce que tu veux ? Expliquez quoi ? Si j'avais pu, j'aurais sauvé tout le monde. Sacrifier des milliers de gens pour une si faible lueur d'espoir, pour moi, c'est pas un vrai choix.
Ouais, mais j'ai rien compris ce que vous avez fait. Bah, Shinko m'a pas vraiment laissé le choix, j'ai vu que prenez toutes les responsabilités sur le fait que je m'en attache. Je voulais sauver tout le monde, mais j'ai pas réussi. Je voulais sauver tout le monde, mais j'ai pas réussi. C'est cet enfoiré de Marchenko qui avait faussé la donne depuis le début. Écoute, tu sais que je suis de ton côté. Je suis en colère parce que Janus m'a prévenu hier soir que la loi pour le retour à l'humain était déjà votée. Ils attendent juste que Picus attise encore un peu plus la haine avant de l'annoncer. Janus est sûr de ce qu'il dit. Ouais. Donc ils ont eu ce qu'ils voulaient. Je suis sûr qu'ils sont en train de jubiler à l'heure qu'il est. Mais cette putain de loi, la ségrégation, la violence, ça va être encore pire qu'avant. Je sais. La Task Force va être débordée. Tu comptes quand même pas y retourner? J'en suis jamais parti. Mais t'as plus rien à y faire. T'as prouvé qu'ils étaient corrompus. Pourquoi tu resterais? Pareil. Faut que le collectif ait accès à un maximum d'outils pour être efficace. La TF-29 a des ressources qu'on n'a pas. T'as réussi peut-être pas trop mal de jouer les agents doubles, Adam. Mais plus tu mens, et plus ce sera compliqué. Mmh. Au moins, t'auras plus à rendre des comptes à Miller. Miller était un bon flic qui suivait les mauvais ordres. Et il en a fait les frais. Il était pas corrompu. Si tu le dis... Ça me plaît pas des masses, Adam. Mais c'est toi qui prends les risques. Je vais en parler à Janus. Il se demandait justement comment approcher Manderly et Page. Pour ça, je peux l'aider. Mais quand tu lui parleras, dis-lui bien une chose. Si on doit continuer à bosser ensemble, il faut que tout le monde y mette du sien. Lui y compris. Je crois qu'il est grand temps de rencontrer l'homme derrière le masque, Alex. Tu trouves pas? En ce moment même, de courageux agents de police tchèques lancent l'assaut sur ces installations à l'intérieur du complexe de Tulek. Voici un exemple de la résistance à laquelle ils sont confrontés. C'est là où vous faites erreur. Non, la CDA est victime d'un coup monté. Vous ne comprenez rien. Victor Marchenko n'était pas des nôtres. Il a décidé de détruire la CDA, de détruire la cause. Mais il a échoué. On est fort, on est innocent. Exploité par des riches qui ont peur de nous et qui nous considèrent comme des sous-hommes. Désolé, jeune homme, mais j'ai du mal à croire quelqu'un qui s'énerve.
l'organisation criminelle des Devani se retrouve sur la sellette ce soir pour son rôle dans l'attentat de Londres. D'après des preuves découvertes par Interpol, des membres de haut rang du chapitre de Prague auraient fourni des armes et un appui logistique aux terroristes de la CIA. Parmi les individus recherchés se trouve Otar Podkoveni, leader des Devani à Prague. Des sources proches de Podkoveni indiquent qu'il n'a assumé ce poste que récemment et qu'il ne devrait pas être tenu pour responsable des erreurs de son prédécesseur. Je ne suis pas convaincue. Est-ce vraiment le visage d'un homme de confiance? Prenez part à la discussion en ligne pour nous donner votre avis. Des nouvelles de Paris, où une importante reconnaissance des publications clandestines pourrait avoir un lien avec une évasion récemment orchestrée à Prague. La semaine dernière, la police tchèque détenait les membres du journal clandestin. Tu veux que je regarde la télé pour mon temps, en fait? Arrestation pour trouble à l'ordre du... J'ai rien capté. Gilou! Merci Gilou! T'as bien bossé Gilou. Faut jouer les morts. Putain, on va essayer de bouffer. Ça, c'est de la bonne cam, même si j'ai rien compris.